Bonjour tout le monde, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et je vous retrouve ce matin pour poursuivre la petite aventure sur Pokémon Diamant qui étincelle, le diamant remake. Voilà, Pokémon 3G, 4G, je sais plus, à force il y a tellement de Pokémon une génération que je m'en mêle les pinceaux. Il faut poursuivre, hein. On a pas mal de combats dresseurs à faire avant d'atteindre la prochaine ville et le prochain badge. C'est l'objectif de ce stream de ce matin. Donc j'espère que je serai assez efficace, que tout se passera bien. On va voir, c'est parti. Est-ce que mon équipe va bien? C'est le principal à se demander, c'est bon. Rendez-vous tout Verchon, allez à Verchon, regarde la carte. Verchon, bah c'est vraiment la prochaine ville. C'est la prochaine ville, voilà, y a rien à dire de plus. Hop là. Mais pour y accéder, eh bien, il va falloir faire des combats dresseurs, mais pas dans l'eau, parce qu'on n'a pas encore surf. Donc let's go, c'est parti, on y va. Le son a l'air bon, tant mieux. Regarde, je décale, je fais. Pas perdre un seul combat dresseur, donc ça devrait bien se penser, ça devrait bien se passer, je pense. Oui, passer. Mon singe de feu est d'excellente humeur, tant mieux. Là, elle part d'un nuage qui ressemble à une glace. Ah. Après, une fille à la bouée, un garçon à la bouée. Fan de bouée, donc. Hein. Une 100 cookies. Voilà. Je sais pas si c'est un training ou pas, les 100 cookies. Il y a une différente couleur, mais je suis pas sûr. Note sans coquille. Est-ce que ça veut dire que c'est des mollusques sans coquillage? Peut-être un vrai jeu de mots. Hein. Non, c'est rien du tout. Il y a un autre sans coquille. Non, ce n'est pas drôle. Ah bah tiens, je vais utiliser par rapport aux couleurs. J'ai pas fait gaffe si c'était par rapport au sexe des Pokémon. Bon, eh ben, bah là, on peut pas aller dans l'eau, hein, encore une fois. Donc, dans cette petite zone, on a un, deux pêcheurs. C'est parti. Bon, bah, il n'y en a plus qu'un du coup. Bonjour monsieur. Ah, je lui ai fait perdre son Magikarp. Ah bah tiens, justement, en parlant de Magikarp. C'est fait. Et on passe au Léviator. Ah oui. Il rigole pas ce que je fais. Hein. Pauvre Léviator qui décroche la mâchoire à chaque fois. Bon là ça va être un peu plus compliqué.
Wow. Oh non, ça va, je m'attendais à pire. Et voilà, pour le Léviator, c'est fait. Un Remoraid ? C'est tout ce qui en passe. Ok, d'accord, c'était pas chiant. Très bien. Objets cachés quelque part. Je ne sais plus. Quelle est cette maison ? Qu'est-ce que c'est cette maison ? Un truc avec des empreintes. D'accord. Ça pour nous offrir un ruban. Très bien. Non mais j'ai mis B. J'ai pas mis A, j'ai mis B. Bon, c'est pas grave. Alors, on a du dresseur par là. On a un passage secret. Qui n'est pas si secret. Non, ça mène juste vers un arbre à miel. J'ai jamais su comment ça fonctionnait. Hein. On peut mettre du miel dessus, mais... Voilà. Je sais pas. J'ai mis du miel. Peut-être que si je repasse par cet arbre, on verra bien quelque chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Alors, on a deux dresseurs. Un qui regarde le mur. Une dresseuse, même. Allez, on va lui dire bonjour. Et après on ira chercher l'objet. Là-haut. Quand je vois escalade, faudra, je pense, à y retourner. C'est donc pour ça qu'il regardait vers le mur. On récupère une CT40. Pas d'objet. J'ai rien dit. Il m'y abrasse des choses. Alors. Ça passe. Il devait pas papaya. Bah tiens, un sang cookie. On va pas me faire mordre par mon mange de feu, il a les dents pointues quand même.
sans un cookie que j'avais déjà attrapé. Donc je ne le réattrape pas. Bah, j'espère à lui 3 points d'équité. Direction la ville de Verchamp. Non ? Peut-être. Une petite maison. On ira parler à la personne après. Un écureuil, un pachyrif. Oui, c'est ça, pachyrif. Pardon ? Mais il est gentil, lui. C'est... Punaise ! Ah bah dis donc, je préfère ta copine que toi. C'est méchant. Ah mais il va encore se faire griffer, le scientifique, comme d'hab. Peut lui piquer l'objet et voilà. Toujours la même chose. Les programmes télé dans Pokémon Diamant sont nuls. Vraiment. Maintenant, je vais dire les programmes télé de manière générale. Bon, alors il y a quelqu'un ici. Non, je ne peux pas parler à toi, ça me fait. Je vais parler à la madame. J'ai pris une chambre à l'hôtel. Et... tout ça pour ça? Ah, là, il y a quelque chose. Et non. Il y a. Voilà. Alors, on a un sbire ici. D'accord. Donc, en gros, il me dit. Ah, c'est, il faut que je récupère le badge suivant pour. Peut-être lui reparler après. Petit. Alors, c'est pas un parapluie, c'est une ombrelle. Ah bah elle a croisé mon rival, dis donc. D'accord, les gens qui... partout, des gens partout, qui à chaque fois qu'on parle, ils me donnent des choses. Est-ce que je cherche un graphiste? Non, mais faut arrêter les gens qui disent tout le temps chercher un graphiste, ça suffit. Non, non, pas besoin. C'est du spam partout sur les réseaux sociaux, c'est rien contre toi, la personne dans le chat, mais... surtout partout, à chaque fois qu'on passe un stream, ça y est, hey, vous cherchez un graphiste. La plupart du temps, c'est des spam bots de pays de l'Est. En mode dégueulasse, quoi. Non, non, si j'ai besoin d'un grand fils, j'irai chercher du local et du artisanal. Mais non, non, dans l'association, on n'en a pas besoin. Alors là, oui, ça parlait des évolutions, mais pas vraiment. Est-ce que je jette un œil là-dedans ou pas? On va voir. Oh là, il y a du peuple. Le tram est clair. En gros, c'est le safari, ça. Ça, c'est le safari. 100 Poké-Dollars, ça fait cher quand même. Bien. On va faire les trois. Il y a des objets à récupérer en plus. Est-ce que j'irai pas faire le marais maintenant?
On finit de visiter la ville et j'irai faire un tour ensuite au Grand Marais. Tant de Pokémon rares dans le marais quand même. Alors, on a une arène ici, une maison. C'est intriguant. Ça commence à nous dire des choses sur le champion d'arène. Mais elle est toute petite la ville en fait. D'accord, donc là c'est l'arène. Battez le champion de l'arène, d'accord. Bon, c'est l'objectif en gros, donc on ira après. On récupère les baies. Dernière baie. Oh punaise. C'est le champion qui va me donner anti-brume, d'accord. Ça va nous être utile par la suite. C'est le centre exact de la ville ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Ça, c'est le centre de la ville. Ok. On va voir. Pas au final. On verra ça plus tard. On sait que ce personnage, ce PNJ, des capacités, est traversant. On va le retenir. Il y a plusieurs formes de Shunity, d'accord. C'est pas les Shunity qui évoluent en papillon qui a 56 000 formes là. Un manoir Pokémon quelque part. Gradopo, c'est très bien. Il est plus mignon quand même. Est-ce que j'avais fait le plein de 13 Pokéball, 21 Super Ball? Ça, en général, je n'utilise pas vraiment. Le reste, on peut s'en sortir pour le moment. On économise pour la ligue. Hello. Ça, c'est la sortie de la ville. Quelle est cette... Bah, y a rien ici. Quel intérêt de mettre ça s'il y a rien? C'est pas possible. Non, non, y a rien, rien. D'accord. Là, y a un bâtiment. Ok, donc ça, on verra après.
J'ai fait toutes les maisons là, non? Il me semble, hein. Ok. Bien, direction le Grand Marais alias Park Safari. Et après, on fera l'arène. Je fais juste un try du safari, juste histoire de dire que j'ai fait un safari. Et après, let's go. Let's go pour cette arène de verge. 500 Pokédollars, punaise. Ah oui, quand même. En général, il y a plein de choses cachées dans le safari. Zone 6 du Grand Marais. Il me les donne gratos. Il me donne ça gratos. D'accord, très bien. Je pensais que c'était le champion de l'arène qui me les aurait donné ceux-là. Alors, zone 5 et zone 6. En vrai, je sais pas trop où aller. Donc, on va aller un peu au hasard. Au hasard dans la zone qui... Y a pas de combat dans le marais, je m'en souviens pas, mais enfin, il me semble pas qu'il y ait des combats, hein. Waouh, importante, il est trop stylé ce Pokémon. Eh bien, du premier coup, parfait. Nickel. Ça, c'est bien. Je l'en mettrais bien dans l'équipe, en vrai. Plus tard. Je le mettrai plus tard dans l'équipe. D'abord, je vais prendre de l'XP avec ce que j'ai. Mais pourtant, je l'aime bien. Il est rigolo. Il y a une Pokéball là-haut. C'est vraiment un marais-marais. Hein, au moins, on se déplace dehors. Un marais pas marrant. Axoloto. Axoloto, c'est voulu un marais. Ah! Il veut un appât, lui, peut-être. Soit on peut leur envoyer des appâts, soit on peut leur envoyer de la boue. Avant, c'était des cailloux qu'on leur envoyait. C'est pas très agréable. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont changé. Ça, j'aurais dit un mot. Oui, ça ressemble bien à un mouche. Non, il s'est barré. Bon, bah tant pis. Non mais Castorno, j'ai déjà... Mais non, mais j'ai... Voilà. J'ai le spam du bouton A, comme d'habitude. Hein. C'est la même erreur à chaque fois. Allez. Quel est cet objet? Une potion. Des plus classiques. Très bien. Là, on va aller par là. Ah mince! Ah oui, je peux m'embourber vraiment, quoi. Et comment j'en sors de là? D'accord. Demi-tour. Non! Allez, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Ah, il y a un objet là. Un super repousse. Ça, c'est bien ça. Un autre objet ici. Bon, ce sera pour après l'objet. Un rose bouton. Je crois que j'ai déjà un rose bouton. Ouais, j'ai déjà. Une super bol pratique. Est-ce que le marais est symétrique? Non, il est pas symétrique. Punaise, sérieux?
Ah, il y a quelqu'un là. Je peux pêcher, très bien. Disons la canne à pêche. Si j'ai un Magikarp dans le Grand Marais quand même. Ah non, y a rien. On recommence. Il fallait forcément que ce soit un Magikarp, hein. Forcément. Ça va devenir un running gag. Ça. Vraiment. Ah bah tiens, un Marest. On va tenter de la boue. Le pauvre. Le pauvre. Pas content. Il se barre pas. D'accord. Eh bien capturé. Ok. Avant le marais, c'est là que Kobuto sa prévolution au monde. Efficace. Capturé. C'est intéressant quand même, le Axolotl et le marais sont des Pokémon au sol. Ça peut être pratique ça en vrai. Ah bon, j'ai pas le temps d'avancer, de faire deux pas. Le castorneau, je m'en fiche. Y'a quelqu'un en bas, non? Là, un objet sur la gauche. Le rose bouton, on l'a... Mais... Le spam du bouton... Ah, sérieux. J'arrête avec ça. Une Pokéball, je prends. Toujours pratique. Ah, bon. Ah, y'a quelqu'un là. Attendez, c'est quoi la limite du safari? C'est le nombre de pas ou non? Voilà, il y a le nombre de safari ball, mais normalement c'est le nombre de pas, c'est pas forcément le nombre de temps. Comment je peux le voir ça? C'est plus. Un petit coquoi. J'ai déjà capturé un psychocoque. Dommage, j'aurais bien recapturé, je m'en souvenais pas. Armée de psychocoque. L'objet, la super potion. Je vais aller par là. Ah ben un autre objet. Un antipara.
la foire au Castorno. Ouais, le... Le spam. Et là, on est en zone du début, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, partons sur la gauche. Mais je pense que ça va pas tarder à faire des digging. Un antidote. Poser la main sur la table. Ne plus spammer ce fichu bouton A. Et je l'ai capturé en plus. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, c'était quand même assez intéressant. Pas mal d'objets. Trois nouveaux Pokémon vraiment pour le Pokédex, dont un qui m'intéresse beaucoup, c'est le Vortante. Voilà. On va passer à l'arène, mais avant ça, je voulais jeter un œil à un autre truc. Oui, le Vortante, justement. Sélectionner, résumer. Il est niveau 26 quand même, hein. Ah, il est intéressant. Ah ouais, il est hyper intéressant. Mais du coup, faudrait que je le remplace par qui? Par mon Mélocric? Mais il est déjà 34, mon Mélocric. Et il est... Insecte. Non, je vais pas le déplacer, je vais le résumer. J'adore son bruit. Je sais pas, je... Pour l'instant, je reste comme ça et on verra au fur et à mesure de la partie si je change pas. Mais pour le moment, direction The Arena. Futur nouveau badge. Oh punaise, ça sent l'énigme ça. Pokémon O. Pokémon O, génial, je suis content. Hop là. Mesure de précaution. Comment ça fonctionne cette arène? Et surtout combien de combats il y a? Il y en a deux. Je crois que j'en ai compté 6 vite fait en aperçu. Mais 3. J'arrive pas à voir. L'ordre des combats. J'ai pas le choix que d'aller en face. De tourner. Ben, je vais déjà faire lui. Ça va permettre de booster le Luxray en plus. Il y avait un peu de retard, je trouve, sur des niveaux. J'ai gagné moins d'argent vu que c'est mon singe de feu qui a la truc qui permet de doubler l'argent. Bon, là il y a un bouton. D'accord.
un autre bouton ici. Oh punaise, j'ai le choix entre deux boutons. Il va pas falloir que je me plante. Hein. Là, j'avais pas vu pour le follow. Hein. Monsieur Kratis, Madame Kratis. J'avais pas vu. Oh mince, ça l'affecte pas! Parce que c'est pas un Pokémon haut! Heureusement que j'ai une attaque ténèbre. Bon, que fais-je? Est-ce que j'appuie sur ce bouton-là d'abord ou pas? Je pense que oui. Hein. En vrai, je sais pas. Et non, c'était pas ça. Ça va me faire revenir au début. C'était pas le bouton vert ici. C'était celui-là. L'électrique, mais j'ai un doute. Sinon, j'aurais dû ne pas douter. Hein. Très bien. Très très bien. Ça se passe bien. J'essaye de comprendre l'énigme de l'arène, mais ça a l'air d'être assez linéaire. Donc pourquoi pas. Il y en a plein des combats là dans l'arène en fait. Hein. Il y en a vraiment pas mal. Hein.
rouler sur l'arène. Pas trop trop de difficultés là trop. Ça va changer avec le Léviator peut-être. Raté là. Mon dieu, le masque. On va refaire, on refait un point là. Donc lui, le pêcheur, le marin, il a déjà été fait. Ce pêcheur là au milieu en rouge, ça a été fait. Lui à droite, là, on va, à gauche, pardon, je m'en occupe suivant. Lui, c'est fait. Et ceux d'en bas c'est fait, donc normalement c'est le dernier combat avant le champion d'arène. Belle capacité pour le cadavre à ça, je prends 90, 100, 80, 100. Je remplacerai par choc mental. Hein. Soin, premier abord, je l'aurais dégagé. L'autre truc, c'est que sur la version perle, j'ai vu l'utilité de soin, mais pas seulement. Je vais garder. Et on remplace par. On enlève choc mental. Appuyer sur le bouton vert, on envoie directement le champion d'arène. Mais avant le champion d'arène, il faudrait juste voir si j'ai vraiment j'ai oublié personne. Si je bats le champion d'arène, je peux pas refaire les autres. Ça a l'air d'aller. Pour l'instant, j'ai l'impression de n'avoir oublié personne. Parfait. Eh ben, direction lui avec son masque bizarre. Le catcheur.
vicieux les Pokémon au sol, punaise. Très vicieux. Je vais sortir le cadavre. Comme ça, ça lui permettra de prendre un petit boost d'XP. Petit. Ah, il a pris un quasiment un tiers de XP juste avec ça quoi. Un Mustéflot. Hein, j'aurais dû remettre l'autre là. J'aurais dû remettre aussi. Ah. On va profiter pour continuer sur la. Ça fait mal par contre. J'aurais dû changer. C'est ma faute. Oh finesse, c'est une. Allez, un badge supplémentaire, quatrième badge sur Pokémon Diamant et Étincelant. Pas lui. Il est 7h55. Saumur. Oh, Saumur, c'est bien. Saumur, c'est très bien. Saumur pour les Viator même en vrai. Non, je veux pas. Oh punaise, résumé. Ah. Peut-être à la place d'une des attaques ténèbres. Allez, direction le centre Pokémon pour soigner tout ça. Où allons-nous? Visiter vers. Pourquoi? Ah oui, le sbire. J'avais oublié. J'avais oublié. Il nous a donné toutes les informations. Et du coup, va falloir le suivre. Poursuivez le sbire, allez. Ah bah tiens, mon rival.
Direct, combat, allez. J'adore cette coupe de cheveux. Roselia, Gossimia Braz. D'art mortel, qu'est-ce que c'est ça? 50-100 augmente énormément l'attaque du lanceur si un ennemi est mis KO avec ça. Oh, ah ouais. Décroît, c'est très bien. Perso, je m'en servais pas vraiment. J'ai enlevé la berceuse d'art mortel. Pratique. Bonita, oui, on envoie l'éviator. On va équilibrer l'XP un petit peu. La priorité sur la tête. Il n'avait pas eu le temps de placer beaucoup d'attaques, hein. Voire pas du tout. Ah d'accord. Poursuivez le sbire, on continue. Je ne sais pas si elle est à vélo. Ah. Régène ici, je suis pas passé au centre Pokémon tout à l'heure, c'était fait exprès. Non mais, j'ai appuyé sur B. J'arrête pas de le suivre. Hein.
Bon, bah, au final, c'est pour le combattre. Il a qu'un Pokémon ? Tout ça pour... Ça aurait pu être un truc un peu épique, quoi. Je sais rien. Un Shaglam, en plus. Et maintenant, on fait quoi ? Explorer l'entrée du lac. Ah bah tiens. Voilà qui on retrouve. D'accord. Elle me donne un truc. Par contre, j'ai pas. Je suis pas parti sur la gauche de Verchamp, moi. Donc on va y aller. Les petits cocas qui sont là-haut, mais j'ai un peu de temps. On a quand même de l'XP à prendre. Et j'ai peut-être des combats que j'ai ratés. Enfin, ratés à moitié. La gauche là de Verchamp, j'ai rien fait en fait. Ici. Là, tout ça c'est de la boue. Y'a rien là. Là, y'a un monsieur. Là, y'a des baies. Là, y'a un objet gratuit. Trop bon à prendre. Ça mène où ça déjà ? Dans une carte. Route 212. Union Police. J'ai un doute quand même, j'ai un vrai doute. On va faire juste le combat, ce qu'il y a sur la droite après les bus, et on va aller au psycho. Je pense qu'ici on y revient après, la route est beaucoup trop longue pour qu'on la passe et qu'on la zappe. Bah bon monsieur. C'est tout ? C'est même pas un combat ? Bon d'accord, bon bah on ira plus tard. Carte. Tout ça, on l'a déjà fait. Donc on va à Bonville, ça a l'air d'être le plus court. Et on donne le médicament pour mettre le psychopoil. D'accord. Ah bah elle m'a suivi. On va aller à Celestia du coup. Très bien. Il y a plein de choses ici là. Beaucoup trop de choses même. Ah bah tiens.
Eh bien, brasse une graine. C'est quoi au milieu là, c'est quoi au milieu? Bon, ok, d'accord. Après le combat, du coup. Un Ponyta. J'ai laissé mon lucidité un peu bien positionné. Ça va être long, hein. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Trio ninja, il y en a trois. Il y a trois ninjas dans les herbes. Je dirais vraiment qu'il a un pyjama. Désolé, mais... J'aurais peut-être remettre mon signal brase en première position, mais... quand même. Caillou avec un. Donc après, je remets mon simia brasse en première. Oui, changer la position de l'équipe. De suite, de suite. Simia Brase, déplacé. Par contre, il y a trois ninjas dans les herbes quelque part. Pour les trouver, là tu vois. Que j'en vois, il y a un ninja en haut à droite. Bon, après ça. C'est les herbes au Ponyta, il y a tout un troupeau.
Allez, voilà, ça c'est un ninja. Où est le troisième ninja? Bon bah là pas, c'est pas là hein. Toujours dans le même espace d'air, juste pour trouver le ninja. Il est même plus haut en vrai. Oh punaise, je le vois. Il est au-dessus. Voilà. Je suis passé à côté tout à l'heure, je l'ai même pas vu. Hein. Vraiment, faut avoir des yeux. Il va m'empoisonner. J'évite de déplacer le singe et de prendre le poison, je pense.
Paf, on sort de là. Et... Ça de... L'objectif c'est quand même d'arriver à Celestia. Oh, il a fermeté. Le talent de... affreux. Alors, on a des herbes normales sur le côté. J'ai vu l'objet. Voici. Le retour du Bonita. J'ai pas avancé. Comment les mêmes herbes. Vraiment là. Pas efficace du tout. Enfin, là, oui, l'attaque est efficace. Une hyperbole. Carrément. Est-ce qu'il y a des choses ? Non. J'aime pas nos pieds. De là. Non. On avance. On voit plus rien du tout. On y voit mieux. Alors, on y voit mieux. Il y a pas mal d'herbes. Il y a un combat ici. On a un ninja qui est caché juste là. C'est la boss. D'abord, on fait lui. Pas parce qu'il y a pas. Par contre, go ninja. Quatre Pokémon. Ah ouais. Il n'y avait rien en bas. Non, il n'y avait rien. Simia Brass me gêne et du coup il y a une aggro de Psychoquack.
Là, il y a un combat. Deux PV. Pardon, ça faisait longtemps. Boss gars. Oh, d'accord, ok, très bien. Je vois. Il a plu. Il a disparu. Danse flamme, oui, oui. Je prends. Danse flamme. Pas loin de Celestia, d'accord. Combat en double ? Combat en double. Pratique ça. Adieu Léviator. Oh, sur Luxray ? Pourquoi il a fait ça ? D'aller me soigner à un moment donné là.
vraiment proche de la ville. Ah ouais, 36. Je vais m'amuser avec eux. Il y a un ninja. Mon Simiabras, il a bugué. Simiabras, tu te crois. Ah.
plus beaucoup de points boost. Hein. Il va falloir tenir jusqu'à la fin avec les points boost. Je vais les garder que s'il y a des choses super efficaces. Danse Draco. Une danse mystique dont le rythme effréné augmente l'attaque et la vitesse du lanceur. Non. Ça ne veut pas. Ce serait bien qu'il ait des attaques vol au final, l'aviator, parce que en vrai, c'est un Pokémon vol. On sait pas trop pourquoi, mais ça reste un Pokémon vol. Et j'ai pas une seule capacité vol pour l'aviator. Il va falloir que je lui en donne de force. Mia Braz plus que toi, punaise. Oh là là, c'est un... Ah, à vélo, on peut pas ramasser les objets. D'accord. Une boule fumée ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Ça, c'est un ornithologue. Voilà, un ornithologue. C'est ça. C'est Nadine. Mal au cœur de voir une cage à oiseaux, ouais. Vraiment. Elle a deux Pokémon. Là, on pourrait utiliser cascades. Je reste certain. On devrait aller chercher l'objet d'en bas d'ailleurs. Pauvre objet. Rafari qui m'a emmené sur ce Pokémon, je suis très certain. Il pourrait sortir d'un film d'horreur, ça c'est pareil.
malheureusement de Sophie la girafe et de Donc dans Super Mario. On a quoi là-haut? DB. D'accord. Et nous voici à Celestia. Bon, première chose entre Pokémon, hein, j'ai vraiment besoin de mes capacités. Et en plus, j'ai Léviator qui est paralysé. La gratuité. Que la madame a parlé de grève. On va peut-être poser les archéologues. Merci madame. D'accord, il m'a donné... un choix de route. Il n'y a pas de boutique, mais par contre, il y a une boutique dans la maison. Non mais sérieusement. Attendez, j'ai vu un truc. Augmente la puissance des capacités de ténèbres. Okay. Bonjour madame. Non, pour l'instant je garde tout ce que j'ai. Ah bon, non, ça m'intéresse pas non plus. On peut pêcher là. Il y a une grande maison, mais je vais supposer que c'est là où il faut aller. On a fait le tour à part la maison centrale, c'est ça? Ouais. Non, c'est bon, je viens de le lire. Le spam du bouton A. Un bonsaï.
fait, je me rends compte qu'en parlant avec tout le monde, ça nous spoil un grand bout de l'histoire. C'est quoi ? Très joli, on dirait un petit temple. Il y a le gars et pas le tien. Pas laisser raser le sbire à Razini, surtout c'est un sbire, je pense pas qu'il est pour de vrai de pas Razini. Si je rate le combat, je rate vraiment la guerre. Et maintenant, ah ben la mamie, justement. Bon, les ruines, voilà. Il n'y a pas grand chose, hein. Des ruines. Vous examinez le mur. Ah, ses sœurs. Très bien. Il va falloir aller à Union Police, nouvelle objectif. Ok. Pour aller à Union Police, va peut-être falloir retourner à Verchon. Ah bah tiens. Ça fait longtemps. Très bien moi, mais par contre il laisse pas son 06. Pâté Chimera à l'arène d'Union Police. Et Union Police c'est en bas. Et va falloir refaire tout le tour depuis Verchamp. Sauf que ici, là, on a des combats dans l'eau. Donc en gros, je vais aller m'amuser là-dedans. Pour aller faire les combats dans l'eau. Voilà. Et peut-être que. Il y a quand même beaucoup de combats là, sur cette route-là. Pardon. Pardon. Mais non, mais j'ai pas surf. Il m'y abrase, pousse-toi, punaise, il me laisse pas passer. Ou alors c'est qu'il y avait un objet. Il y avait peut-être un objet, attendez. Alors pour ça, je vais dire à il m'y abrase de rentrer dans sa Pokéball. Voilà. Non, il n'y avait rien.
vol. Pour. Ça serait de passer par là. Mais par contre, j'ai pas surf. D'accord, surf, c'est à partir du moment où j'aurai le badge d'union police. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, bah, direction Union Police en fait. Bon, là où il y a quoi au final? Ça me paraît bizarre que c'est pas juste une tendue comme ça. Pourquoi il y a ça? Y a rien là. Non mais. Perte de temps. Je sais pas quoi faire pour sortir de là, je sais pas. C'est chiant ce truc. Voilà. Alors, là où on y est déjà allé, on a récupéré le truc. Du vélo pour aller casser le buisson en face, mais il y a un combat ici, il y a un objet de l'autre côté, il y a des combats dans la boue, sérieusement. On n'est pas dans Fort Boyard. Hein. D'abord le vélo. D'abord le vélo. Mais il y a plein de... Bon, on va faire les combats. Un scientifique, Ladislas. Drôle de prénom, Ladislas. Un Abra. Ça faisait longtemps. J'aime beaucoup Abra. J'aime un peu moins dans le jardin chanteur de Pokémon Unite. Ah, forcément.
et un objet qui sera sur la gauche. On va retourner dans le marais. Voilà. Il y a quand même des choses dans le marais. Je vais pas utiliser ce vélo. Je préfère mon vélo à IRL que ce vélo là. Bah, il n'y a pas de direction 6D ce vélo. Alors toi, on t'avait déjà vu. Là, il y a quelque chose. On va aller tout là-haut. Ah bon, bah on va pas aller tout là-haut. Un axolotl. Ah, je peux pas prendre le vélo dans le marais. D'accord. Je voulais juste faire ce combat. Alors on va enlever le vélo, on va dire bonjour à la madame. C'est pas un combat? Ah d'accord. Tout ça pour ça. Ok, d'accord. Soit. Non, Roselia, pardon. Passe. Allez. Et on revient ici, d'accord, très bien. Combat avec la demoiselle à l'ombrelle. Thank you.
J'aurais dû sortir du super. Mais non, mais... Quand je vais trop vite et que le pouce droit de ma main appuie quand même sur le bouton A de la manette. Horrible. Oh oui, non, j'ai... contre des tessons. Les tessons, on les a surtout dans les grands souterrains, je crois. Enfin, une session farm souterrain beaucoup plus tard. Pas loin de la ligne. On a trois pêcheurs. Passage à gauche. Yes, faut quand même y aller. N'importe quoi. Le vrai chemin. Rien là? Ah si, il y avait bien un truc caché. Voilà. Il y a pas mal de choses. Alors on regarde, il y a des herbes, il y a un policier. Non, je voulais surtout pas faire ça. Je ne voulais surtout pas faire ça, je l'ai fait. Punaise. On va refaire dans l'ordre. Et dans l'ordre, c'était là-haut. Voilà. Passer. Bien. Dans l'ordre. On va sortir le luxe, hein. Trois pêcheurs, ouais, je vais mettre en avant lui.
attendre d'avoir le système, mais je l'ai pas fait. Quatre Pokémon. Là par contre. En même temps, c'est des Pokémon courts et ça. J'ai fait les trois pêcheurs, hein. Je ne pas ouvrir la Pokéball là-haut. On va faire 8 vite fait. Il doit y avoir des Pokémon ici. Non, c'est un collectionneur. Trois fois le même. Trois fois Rakaïou, sérieux. Mais trop de compétences combat là. TP. Au secours. On apprend un truc sur Pokédex. Allez, on repart. Tac. C'était 62 au bon. En vrai, Union Poly, je pourrais y aller directement en vol. J'y étais déjà passé. Mais il y a plein de dresseurs. Donc il y a des combats à faire. Et... c'est même pas un combat, lui, c'est vrai. Top, ok. La Pokéball d'en bas là. Je peux pas la voir en fait. Et non. J'ai besoin de surf pour la voir. Quelle arnaque. J'ai besoin de surf pour la voir.
punaise. Bon, combat sauvage. Rassurant de combattre une telle moite. Ah, il s'appelle Kevin. Il a été long à... Le jeu, il a du mal à calculer qu'il y a une attaque à faire, sérieux. Ça va être long, hein, jusqu'à Uniopolis, en vrai. Uniopolis, même. Lui, j'ai ajouté du poison jusqu'au bout, puisqu'il est en première position. Je change la première petite. Ou alors qu'avons-nous là? Un raccourci à la base, c'est ça. On a un combat duo de Ranger en haut. Mais je fais trois pas, trois... Ah, c'est horrible. Le vélo me fait penser.
tu es encore loin du Grand Prix ou pas? Oui, je suis loin, oui. Punaise. On va essayer d'avancer un peu plus vite. J'ai déjà eu beaucoup de combats là. Encore une fois, je pourrais skipper. Hein. Il est monté avec le vol. Je raterais pas mal. C'est pas pertinent. De niveau quand même. Aïe! Galinerie, je démonte l'estomac. DB sur le côté là-bas. Il y a encore, il faut encore utiliser surf. Je peux pas l'utiliser surf pour le moment. Le chemin du coup pour monter par là. Oh, ça passe, c'est génial. Là, il y a un buisson. On récupère une cité. On arrive devant le manoir. C'est un combat, ça va? Non, c'est pas un combat. Propriétaire du square paisible. D'accord. Oui. On va visiter vite fait le manoir. On est où sur la map? Bon, on avance petit à petit. Non, si, c'est bon. Puis dans un manoir, il y a des combats quand même. Hein. Combat double.
qu'il y avait des choses cachées. Très belle maison, hein. Très beau manoir. Sûrement le plus beau bâtiment du jeu, je pense, quand même. Elle est là. Peut-être que par la suite, tu pourrais y aller en général quand il y a un personnage qui bloque. Est-ce que je peux me reposer ? Non. Un petit brûle dans la poubelle, c'est parfait. Un brûle aux aides. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le manoir. Monsieur découvre des choses. Vent tardif. Il y a des choses à trouver ici ou à ramasser. On peut pas aller sur les côtés, hein. C'est juste qu'il y a des herbes et c'est déjà pas mal. Un Pokémon vol, dis donc. Niveau 16 oh bah alors attends. Niveau 16, go Pokéball hein. On va pas dépenser des capacités pour ça. Voilà. Bon, je suis un peu déçu. C'est juste, il y a que ça, il y a que cette grande plaine d'herbe dessus. C'est pas très joli, je trouve. J'aurais préféré que ce soit un peu plus joli. Le manoir est magnifique, là-haut. C'est une zone comme une autre. Quoi. On pouvait pas se reposer. Ça. Quoi, on a déjà parlé. Là, il y a des dés. Ça. Pas sûr. C'est pas un combat. Si là, double combat, c'est bon. Ils sont tournés. Voilà, ça ira plus vite.
Alors, est-ce que toi, c'est un combat ou pas? Non. Là, il y a une Pokéball. Et encore une fois, j'ai besoin de ça. Là, pareil, ça. Arbre à miel. Et on arrive à Union Police. Dernier combat. Ah non. On arrive à Union Police. Et l'objectif prochain sera d'aller à l'arène. Mais avant ça, important. Le centre Pokémon, pitié. Je vais pouvoir m'arrêter là. Il y a une grosse partie de la route depuis la dernière ville qui était longue, beaucoup de combats, et la deuxième partie, bien moins de combats. C'est plus calme. L'arène elle est là. Championne Chimera, reine de la danse, déesse du rythme. Et ce sera demain. Pokémon Spectre. Et mon rival est déjà passé par là. Très bien. Alors, comme d'hab, on se laisse au centre Pokémon avec la sauvegarde. Et voilà. Et je vous laisse ici, tout simplement. Twitch, donc je l'ai dit, je vous retrouve demain matin, tranquillement, pareil. Donc, très probablement un nouveau badge. Et on verra par la suite. Il y a à faire. Suivez les réseaux, bien entendu. Venez sur Discord, il y a pas mal de choses sur Discord. Vous pouvez récupérer des jeux gratuitement toutes les semaines, en fait. Autant en profiter, des belles économies, tout en vous faisant plaisir. Si ce n'est pas encore fait, followez, très français, la chaîne Twitch. Abonnez-vous si vous souhaitez pour nous soutenir avec Prime, en plus, autant en profiter, c'est gratuit. Prenez soin de vous, passez une agréable journée, une bonne après-midi. A très vite, cordialement, bisous.